Warrior. Info locale, info Bretagne. Mon cher Jean-René, je crois que vous avez un scoop. Oui, et je vais vous proposer tout de suite de jouer. Ah ben moi j'aime bien jouer. Ouais, vous avez bien joué. Oui, oui. Avec des dés, des cartes. Je vous propose même de jouer au juste prix. Ouh. Jean-Luc, je vais vous donner 3 produits qu'on peut acheter dans n'importe quel commerce. Bah donnez-les-moi. J'ai pas de sac, hein. Au super rue de la gare, les prix viennent de super rue. Vous allez devoir me dire les prix, combien ils coûtent. Ok. Si je vous dis, admettons, le prix du Nutella. Bah, pas j'en consomme pas, parce que ça nique les dents. Mais ça doit être cher, ça c'est de la marque. 3 euros, au moins 3 euros. 2,54€. Ah ouais, tu vois, les prix, on rappelle, moins cher. En même temps, évitez, enfin, chacun fait ce qu'il veut. C'est bon, dans un sens. C'est bon de se niquer les dents, ouais. Faut manger 5 fruits et légumes par jour. En fait, si tu prends du Nutella, y'a pas de problème, mange ton Nutella. Par contre, faut brosser les dents. Ah, direct après, moi. Parce que c'est quoi le... Ah, mais ça attaque. 4 gros œufs. 4 gros œufs. 4 gros œufs, moi je les prends par 10. Bio, oh, c'est cher, oh là là, oh là là, oui. 1 euro l'œuf, donc 4 euros les 4, c'est bio, hein. Alors les 4 œufs bio, 2,02€. 0,2, ah ouais, 2 euros. 2 euros et 2 euros centimes. Okay. Bon bah 2 centimes, pour l'éleveur je pense, voilà. 2 centimes. Et si je vous dis 50 grammes de spaghetti Barilla. Oh là là, moi c'est plus chez Panzani. Chez Barilla, allez peut-être 1,68€. 0,75€, vous en avez aucun? Waouh, ouais, j'étais pas loin, hein, 1 euro près. Alors faut savoir, mon cher Jean-Louis de Quincin, oui. Si je vous fais jouer, c'est évidemment pas pour se faire plaisir, oui, c'est bah, qu'il y a une info. Ça à faire. Il y a une info derrière tout ça. Sinon on aurait mis des buzzers. Et donc, je vous propose de parler consommation, et quand on parle de conso quelque part, on envoie le générique de Capital. Ploudoudoums. Je vais vous parler. Alors, dis donc, il y a du budget. Hein. Il y a du budget aujourd'hui. Ah, c'est fou. Tous ces génériques là, il y a trop de budget. Hein. C'est bien. À la fin de l'année 2018, on nous a dit qu'il fallait qu'on mette de l'argent. Donc on y va. On a investi, j'ai dépensé sans compter. Alors, si je vous dis que le Nutella, on peut l'avoir à moins d'un euro. Oh. Est-ce que vous me croyez? Si je vous dis qu'on peut avoir des paniers de Yoplait à moins de 50 centimes. Oui, alors allez-y, mais moi j'ai encore plus fort que vous. Et des œufs frais à moins de 50%. Oh, ah bah, des œufs frais. Des œufs frais, les amis, hein. Sortis du cul de la poule, direct. Voilà. On sait qu'en ce moment, les gilets jaunes ont un peu de mal. Les Français ont du mal en ce moment à finir la fin de mois. Et donc, ils ont besoin d'économiser sur leurs courses. C'est très compliqué de finir la fin du mois. Et d'ailleurs, je propose... Allez-y. Je pense que les gilets jaunes sont d'accord qu'on passe les mois à 20 jours. Ce serait pas mal, hein. En gardant le même salaire. Évidemment. Mais que le mois, il passe 20 jours. Voilà. Franchement, je pense que là, pour finir les fins de mois, il n'y aura plus de problème. C'est sûr. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez cette proposition. Et donc, à la fin du mois, les gens ne peuvent pas aller dans les grandes surfaces, Super U, Inter, Leclerc, tout ça. Et donc, compliqué. Ils peuvent aller plus vers du hard discount, comme ça s'appelle. Ouais, you speak English, Jean-René? Donc, en gros, pour avoir des produits beaucoup moins chers. Et encore moins cher que le Lidl ou le Mutant. Moins cher que moins cher. Moins cher que moins cher, en fait, ça s'appelle le Super Hard Discount. Et bah, donnez-les, hein. Ça ira plus vite. Et donc, au panier Malin, ça s'appelle, c'est à Fougères. Oui. Ils fêtent leur 10 ans. Ça fait déjà 10 ans qu'ils sont à Fougères. Et donc, eux, ils font vraiment des prix vraiment c'est fou. Au rabais. C'est fou. Déjà cher. Voilà. Des chips, par exemple, un paquet de chips de grand format familial. Un XXL. Voilà, que vous pourrez avoir à même pas 50 centimes. Des pâtes que vous pourrez avoir à moins d'un euro, c'est tout simplement extraordinaire. C'est extraordinaire, 1 euro le kilo. Voilà. Ils font ça depuis 10 ans et ça cartonne. Et bah oui, bah alors, est-ce qu'ils font des livraisons? Ils font même des livraisons, voilà, j'allais y venir. Ah, bah ça c'est bien. Ils livrent auprès de chez eux, évidemment. Et auprès de chez nous?
On habite un peu loin, malheureusement. Malheureusement. Mais pour finir, ils avaient un Super U qui était pas très loin de chez eux. Super Q. A fermé parce qu'eux avaient tous les clients. Ah, oui. Et donc voilà. Et donc, au panier malin, pour les gilets jaunes, c'est pas mal là, si on a besoin de faire des courses. Et c'est malin. Pas pris. Moonlight, moonlight, get white, you think that you're right. Should look good in a moonlight. This person is so unlike.